Hey, salut à tous les amis, c'est Gabi, bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez tous très bien. On continue la série des réfléchis. Aujourd'hui, la 14. Alors, si vous ne l'avez pas encore faite, n'hésitez pas à descendre dans le descriptif. Il y aura le lien de la course. Voilà, essayez déjà de la faire avant de voir la vidéo. Si vous l'avez déjà testée, mais pas réussi, eh ben suivez la vidéo. Et si vous l'avez déjà faite et vous voulez la prochaine, eh ben pareil, il y aura le lien de la Réfléchis 15 et juste en dessous, comme toujours, le lien de ma chaîne Twitch pour les lives, que ce soit sur GTA ou autre jeu, toujours avec la team de la Dédie. Et j'en ai déjà trop dit, ça prend déjà trop de temps. Et on est parti pour la solution de la 14. Course qui est cette fois-ci un tout petit peu plus longue que d'habitude. Et comme vous voyez, en winner encore. Non mais j'y veux mon costard. J'aime bien avoir mon costard. Allez, on est parti. Alors, on commence en hauteur. Donc, dès le départ, on saute sur la route parce que le pont, il est en bas. Voilà. Pour la suite, le point se trouve à l'intérieur du parking. On ressort par le parking, par là on est rentré. On va un peu plus loin. Et pour sortir, on passe par la toute petite ruelle qui se trouve ici. Voilà. Le point se trouve en haut. Alors pour faire, il faut, c'est ça qui est bien avec la rivière parce que ça saute. Hop, on vient par ici. On fait demi-tour, on prend la route. Et là, on monte les rampes. Et on récupère le point suivant. Ensuite, il faut monter sur la rampe noire. Et de la rampe, il faut sauter pour arriver là-bas, sur la route rouge. Donc, tout simplement, on descend. On essaye de prendre un maximum d'élan. En haut de la rampe, on saute. On active le parachute. On atterrit sur la route. Une fois qu'on est là, il suffit tout simplement. Alors, n'allez pas trop vite. Voilà. Hop. Il suffit juste de suivre les routes. Voilà, une fois qu'on a le point. Ouais, j'ai réussi à me bloquer. Une fois qu'on a le point, il faut. Et ben, il faut remonter sur la structure.
Alors pour remonter sur la structure, bah la technique, hein. Comme j'ai déjà montré sur la vidéo précédente, petite marche arrière, on ouvre, comme ça fait monter le véhicule. Voilà, donc là on monte sur la route. Le mieux c'est de rester sur celle-là. Comme ça, hop, une petite marche arrière. Pour récupérer le point qui est ici. Voilà. Alors, pour bien faire, donc essayez de prendre un petit peu de la hauteur pour aller choper le point et essayez de rester en l'air parce que comme ça vous pouvez enchaîner le point suivant. En face. Voilà, comme ça. Une fois qu'on est là, le point, mais bien sûr sur le pont. Là, on va faire un petit trajet tranquille sur la route. Donc là, pour prendre le point suivant, il suffit de prendre la rampe. Alors, essayez d'être au ralenti en haut, comme ça, vous vous laissez tomber en bas. Comme ceci, un peu à la mort-molle 2. Hop là, à la one again. Et là, il faut aller dans la structure. Alors pour y aller, on contourne, on passe par ici. Arrivé là, hop, on fait un petit demi-tour, on saute par-dessus les barrières et on monte. Allez. Là, on récupère le point suivant. Une fois qu'on a le point, demi-tour. Où on saute sur la plaque violette. Une fois qu'on est sur la plaque violette, on descend sur la plaque verte. Une fois que vous êtes sur la plate verte, en fait il faut contourner. Et là ça va être un tout petit peu complexe. Parce qu'en fait le point il est. En fait faut rentrer juste en dessous. Donc. Voilà. Voilà. En fait faut vraiment se laisser tomber sur le toit. Parce que sinon. Après vous pouvez essayer de tomber ici sur la route. Donc une fois que vous êtes là, on récupère le point 14.
ça. Et ben, un petit parcours. Hop, on descend les escaliers. On file sur la droite. Donc là, on saute le petit muret. Tout simplement. Là, il suffit tout simplement de suivre la route. Vers le fond. Hop, on saute. On ouvre le parachute. Et on plane jusqu'au point. Alors là, pour aller au suivant. Parce que le suivant est à l'intérieur. Donc, monter la montagne. Pas de soucis. Prendre une petite hauteur sympathique. Et toujours pareil, la petite marche arrière, on saute, on ouvre le parachute et on se laisse aller pour aller récupérer le point. Alors, si vous y arrivez, essayez de prendre le point, de ressortir direct, comme je viens de faire. Sinon après vous laissez tomber, hein, vous ressortez par en bas. Vous avez réussi à avoir le point ici. On contourne la box, on revient par devant. Et on récupère le point 19. Alors, les prochains points sur la route. On prend la rampe, on saute, on récupère le point, on fait du freestyle si on peut. Alors là, c'est attention, un petit piège, ne prenez pas la route. Parce que le point, il est en bas. Alors là, c'est soit vous allez récupérer le début de la route, ou alors si vous avez un coup de chance. Je me suis coincé. Je voulais sauter par le toit, mais ça marche pas. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. En fait, c'est pour éviter de faire tout le tour. Si je peux éviter de le faire, ce serait plus bien. Est-ce que je monte assez? Non, je ne monterai pas assez. C'est dommage. Bon, c'est pas grave. On va faire le tour. C'est pas très gênant. En fait, il faut remonter sur la route. Donc c'est vrai que ça pourrait faire gagner... quelques petites secondes. Tac.
donc là prenez bien le jump. Puisque le prochain pont il est sur le pont. Donc le jeu ce serait même de faire un petit saut sur le jump, sur la rampe. Bon j'ai pas réussi à le faire malheureusement. Ça va passer. Oui, ça passe. Ici, la même. Hop là. Alors là, bien sûr, il faut... Le mieux, c'est essayer d'atterrir sur les plateformes pour vous aider. Donc là, il y en a une juste derrière. Hein. Ça peut aider. Donc là, on suit le parcours. Ah mais pourquoi ah, j'ai pas assez appuyé du coup et bah du coup voilà il a pas vraiment il a pas détaché le parachute. Oh, c'est pas grave, on refait. Et là je vais pas y arriver. Si, c'est bon. De justesse, mais ça passe. Je compte si j'arriverai à sauter de jusqu'à la dixième. Est-ce que ça passerait? Non, on va pas prendre le risque. Alors une fois que vous êtes sur cette plateforme, surtout ne prenez pas les tuyaux, parce que c'est pas les tuyaux. En fait, il faut que vous sautiez là-bas, dans l'angle de l'aéroport. Et là, normalement, vous avez le point 28 derrière. Si c'est, j'ai pas de, ouais, c'est ça le 28. Une fois qu'on a pris point, on rentre dans ce tuyau qui nous amène de l'autre côté des parois.
Et là, il va falloir sauter dans le tuyau du milieu. Alors, il y a des barges. Hein, qui... voilà. Tac. Alors là, ça va être... donc, je vais aller tout doucement. Donc là, on saute en face. On avance jusqu'au tuyau vert. Donc là, on passe le bleu. L'intersection, on prend à gauche, puis à droite. Et j'arrive à me coincer, quoi, c'est ouf. Là, il faut sauter dans le jaune. Donc c'est un petit peu chiant. Hop, voilà. Donc une fois qu'on est là, on recule. Et à la fin du tuyau, pensez bien à sauter. Ensuite, eh ben, tout simplement à fond, voilà, jusqu'en haut. Et le point d'arrivée se trouve, vous voyez la fête foraine, et ben sur la droite il y a le pneu, et ben le pont est dedans, donc le trajet est bon. Donc on saute et on se met un petit air d'accordéon, on attend tout simplement parce que c'est long, c'est très long. Bah en tout cas les amis, bah j'espère que voilà, cette solution vous aura plu. N'hésitez pas à mettre vos commentaires, hein, si vous avez besoin ou pas de la vidéo pour la faire. Voilà ce que vous pensez de la course. N'hésitez pas à mettre aussi des likes. Hein. Alors les likes, c'est même pas pour mes vidéos, c'est surtout pour le créateur Steak. Parce qu'il faut savoir que du coup Steak est abonné à ma chaîne. Et qui, dès que je publie une de ses réfléchis, les solutions, il va les voir. Et il essaye de voir un peu les j'aime et les commentaires. Donc, n'hésitez pas à en laisser. Même à donner des idées, hein, ça peut le faire. Sinon, eh ben, en attendant, eh ben, moi je vous dis, portez-vous bien. À bientôt. Et on laissera finir jusqu'à pour l'arrivée. Ciao, bye bye.